Le temps d'une journée, la star américaine Kim Kardashian a joué les professeurs à la Harvard Business School. Elle s'est notamment exprimée sur sa marque de sous-vêtements, Skims, fondée en 2019, une véritable success story. Kim Kardashian est une femme d'affaires redoutable. Celle qui s'est fait connaître grâce à l'émission L'incroyable famille Kardashian a bâti un véritable empire. En 2021, la maman de North a officiellement atteint le statut de milliardaire en figurant pour la première fois dans la fameuse liste établie chaque année par Forbes. Grâce à son entreprise de cosmétiques KKW Beauty et sa marque vêtements Skims, sa fortune est estimée à plus des 1,8 milliard de dollars. Et si est-ce pour parler de la réussite de cette dernière que la jeune femme a été invitée par la fameuse Harvard Business School, ce vendredi 20 janvier. Accompagnée du cofondateur de la marque Jens Grede, Kim Kardashian a échangé avec les étudiants en commerce pendant presque 2 heures. Kim Kardashian, je suis tellement fier de Skims, très fier de son passage à Harvard, l'ex de Kanye West a partagé quelques photos de ce moment sur son compte Instagram. J'ai pris la parole à la Harvard Business School hier pour un cours intitulé HBS Moving Beyond DTC. La mission de la classe était d'en savoir plus sur @skims, alors mon partenaire Jens et moi avons parlé de notre marketing, de nos défis et de nos plus grandes victoires. Je suis tellement fier de Skims et l'idée qu'il s'agisse d'un cours étudié à Harvard est tout simplement folle. Merci professeur Lance Lessinger et @harvard peut de nous avoir reçus. Interrogée sur la chaîne NBC, une des étudiantes a exprimé son ressenti, « Je pense que beaucoup de gens ont encore du mal à la voir comme une femme d'affaires qui co-dirige une entreprise qui vaut plusieurs milliards de dollars. » Suite à une levée de fonds de 240 millions de dollars, la société a été évaluée à 3,2 milliards de dollars en 2022 par Forbes. Elle a notamment été fournisseur officiel des athlètes féminines américaines aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.